Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. On continue notre petite série de vidéos nouvelles. Alors il y en a peut-être qui vont se dire enfin une Renault. Alors enfin une Renault, mais c'est vrai que là j'avais décidé de diffuser ces vidéos à l'ordre d'achat. Et c'est vrai que si on regarde bien. Cette 4S, je l'ai acheté que l'année dernière. Et quant aux deux, à la Super 5, je l'ai acheté en début d'année 2024. Et la Renault 11 en mai de cette année. Donc c'est sûr que ça va être les dernières qui vont passer. Bon, bien que après la 4S, il y a encore la BX. Puisque la 4L était bien le 9e que j'ai acheté. Mais j'ai dû, après la 4L, changer de BX. Donc c'est pour ça que j'ai une BX entre temps. Après, j'ai changé de Super 5 et changé de Renault 11. Enfin voilà, donc voilà, enfin une Renault, ça y est, on commence par la plus vieille, la plus petite, et bon, la plus, on va dire, sympa. Celle qui attire le plus la sympathie, on va dire. Moi, personnellement, alors je préfère la 2 chevaux, quoi qu'il arrive, même si je dois reconnaître que la 4L est moins bruyante. Qu'elle est, je vais pas dire plus puissante parce que elle est seulement la mienne est seulement puissante que d'un chevaux, mais elle est plus coupleuse vu que c'est un 4 cylindres au lieu d'un 2 cylindres. Mais bon, la mienne n'a que un cheveu, fait que 30 chevaux au lieu de 29 pour ma 2 chevaux. Donc, franchement, la puissance pour moi c'est la même, hein. C'est les mêmes puissances. Et puis, c'est vrai que ça se ressent. Donc, il y a juste plus de couple parce que j'arrive à mieux passer les rapports suivants. Ce qui est normal, hein, la Dodge, je rappelle, est un bicylindre, celle-là, un 4 cylindres. Donc, ce qui est un peu normal, mais sinon, niveau puissance, ouais, pour moi, c'est pareil. Et puis, les dernières 4L après ne font que 4 chevaux de plus. Je crois que ça n'a jamais dépassé 34 chevaux d'origine, une 4L. Mais bon, moi, elle me convient très bien, hein, ça suffit largement, hein. C'est pas comme le C15, j'ai pas envie de la swapper, hein. Elle en a pas besoin. Hein. Pour moi, ce moteur marche très bien quand il n'y a pas de problème de carbu ni d'allumage. Je n'ai eu. C'est comme le TU. J'ai des problèmes d'autres choses, mais pas vraiment du moteur, mais de tout ce qu'il y a autour du moteur, quoi. Voilà, bon, ben, comme la 2 chevaux, j'ai rajouté un petit feu de recul. Parce que comme elle dort dans un box. J'aime bien voir où je recule, surtout quand je la rentre dans le box. Donc, en plus, je crois que c'est exactement le même. En même temps, ce sont les seuls feux de recul d'époque qu'on arrive encore à retrouver. Donc, j'aurais bien mis un autre modèle, mais il y avait que ça qui lui allait bien, quoi. C'est vrai que j'aurais pu mettre un autre modèle. Et c'est vrai que contrairement à la 2 chevaux, je l'ai mis à droite. Alors qu'à la 2 chevaux, je l'ai mis à gauche, par contre. Alors il n'y avait pas de raison particulière. C'est vrai que normalement les feux de recul sont à droite quand il n'y en a qu'un seul, mais pff, voilà, 2 chevaux, je l'ai mis à gauche parce que c'était pour voir par terre quand je regarde dans le rétroviseur. Parce que elle, c'est surtout le côté gauche qu'il faut surveiller, la 2 chevaux, à cause du box, de son box. Alors que la 4L, elle, c'est le contraire, c'est plus le côté droit qu'il faut surveiller. Même s'il n'y a pas de rétro à droite, mais bon. Bon, c'est qu'un détail. Les Marshall 540, voilà, chercher la référence du feu de recul. C'est un Marshall 540, voilà, c'est ça. Voilà, bon, ben après, bon, les enjoliveurs, vous les avez déjà vus sans enjoliveurs. Je sais que normalement d'origine elle devrait les avoir en 71. Toutes les berlines les avaient de série. Je crois que ça s'arrête en 75 où les bas de gamme n'en ont plus. Mais bon, comme c'est une version bas de gamme, je préfère sans enjoliveur. Déjà parce que j'aime bien les jantes à trois boulons. J'ai juste pris le petit luxe de mettre des petites embouts de boulons. Ça plaît ou ça plaît pas, moi j'aime bien. Alors voilà. C'est juste moi, j'aime bien voir des jantes trois boulons. Ça serait comme le C15, j'aurais eu un C15 avec un moteur 104. J'aurais eu des jantes à trois boulons, j'aurais pas jamais mis d'enjoliveur à mon avis. Enfin voilà. Bon, je garde le siège plié parce que, bon, d'une part parce qu'il n'y a pas de ceinture du tout à l'arrière. Donc, ça,
Je préfère éviter de trimballer qui que ce soit à l'arrière. Et ouais, en plus, regardez, il y a des cartons qu'il faut que j'envoie à la déchetterie. En fait, c'était les cartons où il y avait des radiateurs de voiture. Vu que j'ai changé celui de la 4L, j'ai aussi changé celui de la Super 5. Bon, celui de la 4L, vous l'avez vu en vidéo. Pas la Super 5, mais la Super 5 à côté de la 4L, c'était très trop facile. On enlève les deux durites, on déclipse le radiateur et hop, c'est réglé, hein. Faut juste après, ouais, récupérer le motoventilateur le remettre sur l'autre. Mais bon, on en parlera avec la Super 5. Allez. Ben voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ou qu'est-ce que je dois faire dessus? Ah oui, alors attends, elle en est où niveau kilométrage? J'attends que. Voilà, elle en est pas. Putain, il reste pas grand-chose. Encore. 80 km et je vais pouvoir attaquer la vie. Je vais enfin pouvoir faire la vidange. Oui, parce que je suis tellement nouille que j'attends qu'elle ait un chiffre rond pour faire la vidange. Donc, surtout que ça fait un moment que j'ai de la 20-50 qui lui attend. Mais bon, pour être sûr que je machine, j'attends que le compteur ait monté jusqu'en haut. Ah, je remercie Patou pour cette poignée. Moi, j'avais pas le caoutchouc de la poignée de frein à main. Je ne sais toujours pas, par contre, personne n'a su me le dire si ma version, comme c'est une bas de gamme, aurait dû l'avoir ou pas. Mais bon, je remercie Patou qui m'a au moins donné ça. Merde, je sais même plus comment on ouvre le capot. Ah oui, c'est là. Ouais, parce que ça, c'est le starter. Par contre, ouais. On est obligé de faire tout le tour pour mettre la béquille. Et ça, c'est d'origine, hein. Par contre, je vais enfin trouver une béquille. Enfin, plus le temps que j'en cherche une. Mais je peux vous dire que ça change parce que j'en avais marre de. J'étais toujours obligé de déclipser le volume et de le coincer dans le cric. Et si j'avais le même malheur de faire un faux mouvement, j'avais le capot qui retombait dessus et tout. Enfin voilà. Bon ben voilà notre bon vieux Billancourt. Qui suinte un tout petit peu d'huile, mais franchement, on va dire que ça. C'est des fois pas plus mal un moteur qui suinte un peu de l'huile, tant qu'il fait pas non plus des grosses gouttes au sol. Parce que ça coule au moins sur le châssis et ça fait un petit traitement tirouille. Oh, le mec qui balance des prétextes à la con juste parce qu'il veut pas démonter son moteur. Ben, c'est tout à fait ça, on va dire. Voilà, donc depuis la dernière vidéo nouvelle, oui, enfin, j'ai dû le dire dans un short que je suis passé à l'allumage transistorisé. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le même que la 2 chevaux. C'est le même, c'est. Allez, j'arrive plus à lire, mais bon. Voilà. Sauf que pareil, au bout d'un moment, il y avait des petits ratés à bas régime, donc je lui ai racheté un condensateur, voilà, que j'ai remis en place et que j'ai branché directement sur la bobine. Voilà, hop. Et ça va beaucoup mieux. Aïe, aïe, aïe. Donc si jamais vous achetez ça et que ça, vous voyez que ça commence à démonter, ne rachetez pas notre boîtier, achetez juste, remettez juste un condensateur, hein. Ou alors, mais gardez votre condensateur, mais branchez-les bien côté bobine, pas côté rupteur, hein. Parce que côté rupteur, ça va déconner complètement, ça c'est sûr. Mais voilà. Moi je serais vous, si vous mettez ce genre de boîtier, je garderais le condensateur au moins côté bobine. Bon, il y a un truc aussi que j'aimerais changer, mais bon. Je sais pas pourquoi ils ont mis une batterie de tracteur tondeuse. Parce qu'elle est juste pas large. Mais bon, tant qu'elle est bonne, autant la garder, hein. Surtout qu'on a un tracteur tondeuse à Perpignan où je suis obligé de piquer. La dernière fois, j'étais obligé de piquer la batterie de la 405 pour la démarrer. J'aurais pu le ramener là-bas et acheter une nouvelle batterie 40 A qui rentre bien dans le bac à batterie parce que là, pourtant c'est serré, mais le problème c'est que comme il prend pas toute la surface, il bouge un peu. Faudrait ou alors que je serre encore un peu, mais. Ouais, parce que j'arrive encore à serrer la main, je pourrais peut-être la serrer encore un peu. Est-ce que c'est les vibrations qui font que ça se desserre? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Enfin, bref.
Mais bon, ça, c'est pas urgent. Ah si, j'ai. Alors, je suis pas sûr que sur mon année de production, il y avait encore ces balais d'essuie-glace, mais il y avait encore les anciens axes. Donc, ce que j'avais au départ, c'était ces axes-là, mais avec des adaptateurs pour mettre les mêmes bras d'essuie-glace que, on va dire, les Dianes. Mais je sais pas. Comme ça ressemblait à la deux chevaux, je voulais mettre autre chose. Et puis j'ai vu que les plus vieilles 4L avaient des bras d'essuie-glace comme ça, juste montés sur ressort, où quand on les ouvre, en fait, il n'y a rien qui les retient. Voilà, et je voulais aussi, parce que pareil, en photo, j'adore voir les Renault 4 avec les essuie-glaces, les plats, là, sans les arceaux arrondis, là. Et, putain, j'ai galéré à en trouver de mauvaise qualité parce que déjà, j'ai toujours cru que les essuie-glaces de 4L étaient la même taille que ceux des deux chevaux. Ben non, ils sont plus longs. Ils sont beaucoup plus longs. La deux chevaux, ça doit faire. Ça doit arriver de là, là à là, quoi. Par contre, c'est les mêmes que les Dianes. Et peut-être les Méhari. Voilà. Et des patins comme ça pour deux chevaux, on en trouve assez facilement. Mais alors pour Diane ou 4L, enfin moi j'en ai pas trouvé. Et quand j'en trouve, c'était de la camelote. Les seuls que j'ai trouvé de la bonne taille, mais il a fallu que je fasse une modif à la con. J'ai dû ces essuie-glaces-là, je les ai achetés à Mécatechnique. Mais à la base, c'était des essuie-glaces pour Volkswagen Combi. Le seul souci, c'est qu'il a fallu que j'adapte des supports d'essuie-glace pour s'attaquer pour ces bras-là. Il a fallu que je modifie le support. Mais sinon, les seuls essuie-glaces à patins comme ça de bonne qualité que j'ai trouvé, ce sont à Mécatechnique pour Volkswagen Combi. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure astuce que je vous donne, peut-être, mais bon, moi c'est juste parce que je voulais absolument des essuie-glaces à patins et de bonne qualité, de préférence, et j'ai pas trouvé mieux que ça. Voilà. Quoi d'autre? Bon, ben, la pompe à eau tient le coup. En tout cas, le niveau d'eau n'est pas plus redescendu que ça. Alors, j'ai une petite fuite au début, mais en fait, c'est juste que j'avais oublié de serrer le collier en dessous du radiateur parce que je l'avais desserré. À la base, je voulais l'enlever. Et puis, au final, je l'avais pas enlevé, il me gênait pas. Mais j'avais oublié de resserrer le collier. Enfin, en tout cas, bizarrement, dans la côte, elle n'a pas chauffé aujourd'hui. Ben, c'est peut-être parce que je vous dis il fait plus frais, donc du coup elle refroidit mieux. En fait, cette 4L, elle aime pas la canicule en fait. Les 4L n'aiment pas la canicule, sûrement, parce que là aujourd'hui elle n'a pas dépassé 80 degrés. Donc, oui, en plus je lui ai mis parce qu'il y en a un qui, parce qu'on m'a dit sur une 4L, vaut mieux mettre un 75 pour être tranquille, un thermostat 75 degrés pour être tranquille. Alors, je croyais que c'était que pour le trophy qu'il fallait faire ça. Mais bon, moi je l'ai fait. Au moins, je suis sûr qu'elle fera pas de joint culasse parce que là-dessus, je sais pas si c'est facile ou non. Bah, à mon avis, ça doit être grosso merdo pareil qu'un Cléon, sauf en plus petit. Enfin voilà. Mais bon, si je pouvais m'épargner de le faire, ce serait sympa. Ouais, je regarde s'il n'y a vraiment pas de fuite. La dernière fois, il me semble que j'ai roulé un bon moment et j'ai regardé en dessous, un bon moment qui ça goûte pas. Mais cette fois, non. Je vois rien. Après, comme le niveau du bocal n'a pas l'air d'être descendu cette fois, enfin depuis l'autre fois. Ça a l'air d'aller. Pompe à eau, etc. Donc, le seul truc de refroidissement que j'ai pas changé, c'est les durites. Les durites, le radiateur de chauffage aussi. Enfin, on verra ça un autre jour. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'en sais rien.
Ah oui, j'ai mis un tube pour qu'il y ait moins de jeu à l'axe de. Un morceau de tubéro pour qu'il y ait moins de jeu à l'axe du levier de vitesse. Et bon, alors ça, c'est juste à cause du feu de recul, ça. Ça, c'est juste moi qui ai mis ça parce que des fois, quand je passe la troisième, la barre touche le radiateur et ça allume le feu de recul. Oui, parce que je rappelle mon système, quand je passe la marche arrière et j'ai les marches arrière à l'avant, moi, cette tige doit toucher, enfin, le boulon qui est là doit toucher cette tige. Donc, attendez, normalement, la marche arrière, c'est comme ça et comme ça, voilà. Ça met en contact, ça met la barre du levier de vitesse à la masse et le fil va alimenter un relais et qui va alimenter le feu de recul. Ça marche comme ça marche tout connement comme ça. Voilà. J'ai pas trouvé mieux parce que sur ces boîtes-là, il n'y a pas de pré-emplacement pour contacteur de feu de recul. Je crois que c'est pas le cas sur la boîte suivante. Il y a bien un emplacement qui est prévu tout le long. Mais comme j'ai vraiment la vieille boîte, j'ai vraiment aucun emplacement pour en rajouter un. Mais je crois que sur les boîtes suivantes, on peut en rajouter un. Contacteur de feu de recul. Toc 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 toc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben écoutez, je vois rien, sinon à part ça tout va bien. Ah oui, il faudrait que je trouve provisoirement un filtre à air de 4L un peu plus récente. Parce que j'ai acheté deux filtres pour un rien qui étaient trop gros. Mais j'aimerais bien, au lieu de les renvoyer, et vu que j'ai trouvé personne pour me les racheter, autant les utiliser pendant un moment avec et mettre celui-là de côté le temps de. Qu'il s'encrasse quoi. Mais bon, c'est qu'un détail. Sinon, à part ça, non, rien de particulier. Hein. Depuis la pompe à eau. Bon, j'ai encore les filtres qui s'encrassent et en plus j'en ai mis deux. Donc déjà celui-là et il s'encrasse à la même vitesse. Donc je me demande si aussi la pompe à essence ça n'encrasse pas parce que je ne sais pas pourquoi la crasse arrive quand même à aller jusqu'au carburateur. Puisque j'en ai mis un aussi juste avant. Donc il faudrait que je pense à en racheter deux autres aussi. À chaque fois j'en change deux. Mais bon, ceux-là ils ont duré un bon moment. Je ne sais plus à quel moment je les ai changés, mais c'était au printemps je crois. Mais bon, si ça continue, je vais acheter une durite en caoutchouc que je vais tirer jusqu'au réservoir. Hein, parce que je vous ai dit, j'ai vidé complètement le réservoir via le bouchon en dessous. L'essence qu'en est ressortie était toute propre. Pas un dépôt ou quoi que ce soit. Alors je pense que c'est le tuyau en métal. Enfin, je suis pas sûr que ce soit en cuivre. Hein, je pense que c'est vraiment de la tôle bâtarde. Qui emmène l'essence à l'avant, qui encrasse les filtres comme ça. Hein. Moi, je vois que ça parce que je vous dis, le réservoir, il est propre. L'essence qu'on est sortie, elle est sortie toute propre, pas un dépôt, rien du tout. Donc, moi, je vois que le tuyau qui achemine l'essence jusqu'ici en métal, ben, je crois qu'on le voit passer là. Ouais, il est là. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais à mon avis, c'est pas du cuivre. Enfin, ouais, ça se continue. Ça va être avec un tuyau en caoutchouc tout le long parce que tuyau en cuivre, je sais pas trop si j'arriverai à manipuler ça dans le bas de caisse parce que ça passe après dans le bas de caisse. Après ça ressort et ça va jusqu'au milieu du réservoir et au milieu du réservoir il y a un raccord en caoutchouc qui va au-dessus après du réservoir.
Mais bon, pour l'instant, je me contente simplement de changer les filtres. Hein. Parce que c'est vrai que je n'ai plus à. Depuis que j'ai mis le filtre au carburateur, je n'ai plus à ouvrir le carbu pour le nettoyer. Enfin, on verra plus tard. Ah si, et puis j'ai enfin trouvé le bon rétroviseur. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment 100% le bon. Et le pire, c'est que j'ai trouvé la nationale de deux chevaux. Mais en fait, ma version ne devrait même pas avoir le rétroviseur chromé, il devrait avoir le rétroviseur gris mat. Le problème de ces rétroviseurs, c'est qu'ils rouillent très facilement. Le mien que j'avais, il était complètement rouillé derrière ça, mais le bras était encore bon. Et j'étais à. Quand on a fait le tour à RFLJ au salon Époque Auto à Lyon, j'en ai trouvé un, mais c'est une reproduction complètement chrome. Je me dis, bon, ben, vu que c'était la fin de la journée, j'ai dit, bon, ben, je vais acheter ça, au moins je ne serais pas venu pour rien. Seul souci, c'est que ce rétroviseur-là, il a duré un petit moment, et puis un jour, sous un soleil battant. Un jour, il a. Un peu avant que je parte à la nationale, il a. Il est. Le verre qui était là, j'ai dû claquer la porte un peu fort, il est carrément tombé, il s'est cassé. Tellement. Il devait pas tenir le miroir de la refabrication parce qu'il est carrément. Le joint a lâché et c'est carrément tombé. Donc j'ai dû remettre celui d'origine, un peu rouillé. Et à la nationale de deux chevaux, j'en ai trouvé un. Hein. Ah oui, c'est bien la nationale de deux chevaux. Ils vendent pas que de la deux chevaux. Ils vont. Il y a un tout petit peu de pièces de 4L, de Visa, tout ce qui est dérivé. On trouve même de quelques pièces de BX ou de C15. La preuve, le compteur de C15 vient aussi de la nationale. Mais il y en a aussi qui vendent des pièces de 4L. La preuve. Après, ce sont des rétroviseurs. Il me semble que je voyais les. Il me semble que les 404 avaient exactement les mêmes que les 4L. Il n'y avait pas vraiment. En fait, il n'y avait pas vraiment de rétroviseur à l'époque pour telle version. C'était vraiment que des accessoires, les rétroviseurs extérieurs. Enfin voilà. La 4L, et apparemment mes grands-parents avaient exactement, enfin ils n'avaient pas tout à fait la même, mais ils avaient les premières générations, mais de la même couleur. Apparemment, enfin côté de ma mère, tout le monde me dit si, c'est la même couleur, c'est la même couleur, c'est la même couleur. Il y a ma grand-mère qui me dit oh, elle faisait plus verte, il me semble, mais bon, ma grand-mère elle a plus de 80 ans, donc je sais pas si. Enfin bref. C'est qu'un détail. C'est vrai que moi j'aurais préféré les capots première génération, mais. Enfin, je voulais au moins le. Encore avec le vieux logo là. Le vieux logo de 59 à 72. Ouais, c'est entre 59 jusqu'à 72 ce logo là. Chez Renault. C'est le logo où il n'y a plus marqué Régie nationale en dessous, quoi. Mais et après, je voulais pas. Après, le problème des premières générations, c'est que c'était des 6 volts. Alors, j'ai vu qu'on pouvait. Que c'est plus facile de convertir une 4L en 12 volts que des deux chevaux, à cause de leur dynamo qui est spécifique aux deux chevaux. Mais voilà. Donc, c'est vrai que je voulais éviter. Je voulais pas une 6 volts. Et je voulais pas une dynamo, bon, passer d'une dynamo à un alternateur, pour moi c'est facile. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Surtout que je savais même pas que c'était encore à dynamo, en début du 12 volts, les 4L, depuis 1970. Mais de toute façon, je crois qu'en 1970, ça devait être interdit les véhicules en 6 volts parce que.
Parce que même la 2 chevaux, c'est la même année où la 2 chevaux est passée en 12 volts. Sauf que la 2 chevaux a eu l'alternateur tout de suite. Bon, un régulateur externe, mais il a eu l'alternateur tout de suite. Voilà, après c'est comme tout, hein. J'apprends à la connaître. C'est vrai que j'évite de la sortir en hiver parce que son traitement de corrosion est vraiment d'époque. Je pense pas qu'elle ait été retraitée. Donc je sais pas si un jour j'achèterai de l'anti. Comment ça s'appelle? De l'anti gravillon, de l'anti merde. Projection, enfin ce qu'on met dans les passages de roue là, et que je badigeonnerai pas tout le dessous d'un nouveau coup, enfin j'en sais rien. J'ai vu qu'il y avait quelques petits débuts de corrosion, mais il n'y a rien de bien méchant sur le châssis, c'est juste dans les coins, faut vraiment aller chercher pour les trouver, mais c'est pas méchant, on peut, je traite et c'est fini. Après, il y en a un qui m'a parlé de tous les recoins qu'il faut machiner, qu'il y a des trous qu'il faudrait passer absolument de l'huile pour chasser l'éventuelle saloperie des endroits creux. Enfin, il y en a un qui m'a. Ouais, il y a quelqu'un dans un rasso qui m'a expliqué plein de trucs. Ah, j'en ai appris des choses sur les 4L. Et ben, quand il le raconte, ça me paraît beaucoup plus chiant qu'une 2 chevaux. Mais bon. Après, il est vrai que ça pourrit vite au train arrière. Moi, ça va encore à ce niveau-là. Enfin, je me souviens surtout de la 4L Savane qu'on a eue à l'atelier. On a eu des surprises dès qu'on a enlevé la caisse, qui avait plus à faire que ce qu'on voyait au départ. Mais bon, là, le contrôle technique passe. Alors, et puis visuellement, quand on regarde bien à ce niveau-là, on voit rien du tout. Même par en dessous, il n'y a vraiment rien de spécial. Je sais qu'il y a eu un trou dans le plancher côté passager, mais l'ancien proprio l'a rebouché. Bon, en soudant, pas en mettant une tôle par-dessus, mais en ressoudant. Alors c'est sûr, ça fait pas très joli, mais bon, le plancher est caché par un tapis, donc. Enfin voilà. Ah oui, j'ai dû changer un feu, mais bon, c'est juste parce que une fois, il y a une de mes rampes où je fais monter mes véhicules dessus qui est tombée sur le feu, donc j'ai dû en changer un. J'ai retrouvé exactement le même. C'est juste dommage. Je sais pas si c'était encore son feu d'origine, mais j'ai retrouvé un qui ressemble le plus possible et c'est le cas. Voilà. Par contre, je voulais bien cet intérieur-là. Le tableau de bord sablé comme ça, avec le volant translucide. Après, les tout premiers volants translucides sont encore plus rouge clair que celui-là. Celui-là, il est plus marron. Le levier de vitesse, pareil. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me va très bien. Je veux pas non plus chipoter là-dessus. Après, faut reconnaître que au moins ça change un peu de la 2 chevaux, les sièges qui me rehaussent. Et apparemment, c'est que ces sièges-là parce que quand je me suis assis dans la 4L à Patou, c'était le contraire. Je m'enfonçais bien dans les sièges et j'étais assis très bas comme dans ma 2 chevaux, quoi. Alors que là, je suis assis haut, donc au moins ça me change un peu. Limite, je touche le toit. Et quand je pense que les gendarmes étaient censés monter là-dedans avec un képi, bah moi, heureusement que j'ai pas de képi, hein. Enfin, c'est Xavier qui a une 4L de gendarmerie qui raconte ça à chaque fois. Voilà. Bien fermé. Ouais, non. Là, c'est bien fermé. Voilà. Et pas de. C'est vrai que l'été, je l'aurais plus sortir si au moins les vitres arrière s'ouvraient, mais.
Et mon oncle veut. Ça fait des années qu'il me dit qu'il voulait s'en acheter une, mais lui, il veut absolument retrouver la même qu'il avait. C'était une TL rouge avec le toit ouvrant. TL ou GTL, je me souviens plus. Mais avec encore l'ancien tableau de bord, mais noir. Et je crois qu'elle était de 82. Et donc encore avec l'ancien tableau de bord. Enfin, il voulait retrouver exactement. Il veut exactement retrouver la même. Mais bon, le jour où il en retrouva une, à mon avis, le prix sera exorbitant. Parce que déjà une 4L à toit ouvrant, c'est très rare. Surtout les mécanismes d'origine où il y a le clapet qui s'ouvre d'un côté puis de l'autre. C'est comme la deux chevaux quoi, il y a le clapet qui s'ouvre à moitié, mais en fait tu as deux moitiés de chaque à l'avant et à l'arrière. Mais bon, moi j'ai pas envie de me mettre un toit ouvrant. Hein. Les 4L, j'ai déjà une deux chevaux à toit ouvrant, ça me suffit. Déjà que la Super 5, je l'aurais préférée sans le toit ouvrant, et tu parles d'un toit ouvrant, c'est juste une petite vitre qui s'ouvre à peine. Comme une glace arrière de véhicule 3 portes, quoi. Alors, c'est peut-être bien pour un fumeur, mais. Bon, et je dois vous avouer que c'est bien parce que tu peux regarder un peu en l'air, même sous la pluie. C'est le seul avantage que je trouve bien à ce toit ouvrant, sur la Super 5, mais bon, on verra avec la Super 5. Par contre, même si c'est pas d'origine, je me demande si un de ces quatre, je vais pas lui rajouter les petits butoirs là. Les petits butoirs en bout des pare-chocs parce que là pour l'instant ça va, mais il m'est rien arrivé de particulier. Enfin, il y a eu un petit choc apparemment à l'arrière, mais je me demande si c'est moi en reculant dans le box ou pas ça. Oh, je me souviens plus si il était déformé comme ça. Une petite déformation à gauche. Est-ce que c'est moi en reculant dans le box ça? J'ai reculé un petit peu trop près. Je pourrais pas le dire. J'ai pas souvenir d'avoir touché ou alors je l'ai pas entendu. Après à l'avant, il était déjà un petit peu tordu. Mais je me demande si je vais pas les rajouter ces petits butoirs. Ça se retrouve en neuf en plus. Et pour des micro-chocs, par exemple quand on fait des créneaux, ça sera peut-être pas plus mal. Hein. Même si ce n'est pas d'origine, ouais, je me demande si je vais pas quand même les rajouter. Hein. C'est juste pour pas que les pare-chocs s'abîment davantage. Par contre, je me demande en quoi ils sont faits. C'est de l'inox? Non, quand même pas. J'ai pas souvenir si ça se rouillait, les pare-chocs de 4L. Ah, je sais plus en quoi ils sont. C'est peut-être de l'inox, hein, allez savoir. Après les dernières, c'est peut-être plus du galva. Enfin, ça faisait le même effet que la 104. C'était du galva la 104. Enfin voilà. J'ai plus de soucis de chambre à air en tout cas. C'est vrai qu'à chaque fois que je croise celui qui me monte les pneus, il me dit c'est bon cette 4L, elles tiennent le coup les jantes parce que c'est lui qui m'a transformé. Mes roues arrière, il m'a transformé. Ouais, c'est les roues arrière qu'on a passé. Où on a viré la chambre à air, on a juste mis des valves. Et bah oui, ça tient le coup. J'ai. Enfin, en même temps, c'est vrai que je contrôle pas les pneus. Après, je me souviens que je l'avais laissé tout un hiver au sec. Et quand je l'ai ressorti, c'était toujours à 2 bar 5. Bon, il faut peut-être pas mettre autant, mais c'est la. J'ai dit on va la laisser à 2 bar 5 juste pour voir si elle tient la pression et elle a tenu la pression à 2 bar 5 donc c'est parfait. Par contre j'ai toujours les chambres à air à l'avant. J'ai dit si j'ai un problème je te les ramènerai, t'inquiète pas. Hein. Mais à chaque fois qu'il me demande toujours si ça allait la 4L ça tient le coup à l'arrière, ben oui, ça tient le coup. D'ailleurs, il faut que je l'appelle d'urgence pour les pneus de la BX. Enfin, on verra avec la BX. Ah, je crois que je vous ai pas mis le moteur en route. Enfin, pas ici en tout cas. Alors.
Même pas besoin d'accélérer. En même temps, là-dessus, ça sert à rien. Il n'y a pas de pompe de reprise. Ça sert absolument à rien, ni de pomper à froid, parce qu'il n'y a pas de pompe de reprise sur ce carburateur. Mais c'est vrai que quand c'est bien réglé, il n'y en a pas besoin. Elle est un petit peu sale, mais rien de bien méchant. Voilà, et ça tombe plutôt rond, il n'y a même pas à rater. Après la 2 chevaux, je n'ai pas encore regardé, mais je suis sûr que c'est ça. Il faudra que je fixe le condensateur sur une meilleure masse. Et ça tournera mieux. Bon, après la 2 chevaux, un de ces jours, il faudra soit que je change le moteur, soit que j'ouvre l'actuel pour voir ce qui ne va pas. Je sais pas pour quand je prévoirai ça. Cet hiver encore, ça m'étonnerait. Je pense que c'est le jour où elle avancera vraiment plus, la 2 chevaux. Ou alors le jour où je trouverai que l'huile est vraiment trop chère. Surtout qu'à elle, je lui ai acheté de la 2050 à la 4L. Parce que la notice d'utilisation qu'il y avait avec, ça marquait qu'il fallait du 2050. Mais on me dit que du 1540, ça marche aussi. Alors bon. Ben bon, j'ai acheté de la 2050, je mettrai de la 2050. Elle, au moins, j'ai pas eu à en rajouter. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire plus sur la 4L? Ouais, j'ai le bas de casque qui se fissure un peu là, mais c'est pas méchant. C'est comment normalement? Tu vois l'autre côté? Ah, il y a bien une ouverture, mais ça devrait pas se fissurer au-dessus. D'accord, ok. Ouais, parce que ça c'est l'aile en fait. Ouais, cette partie c'est l'aile. Ah non, c'est pas l'aile, c'est la caisse. Autant pour moi. Bon, il y a bien une séparation apparemment. Ouais, même à l'arrière, il y a la même. Bon, c'est vrai qu'elle avait raclé de ce côté, mais c'est pas non plus rarissime. Ah putain, je recule dans les orties, moi, ça va plus. Bon allez, je vais me rentrer. Ils ont dit que ça pleuvrait pas, mais ça commence quand même à s'assombrir aujourd'hui. Et j'aimerais éviter de me prendre la flotte. Bon, maintenant, même si j'ai de bons essuie-glaces maintenant, mais déjà, une 4L, c'est comme une 2 chevaux, c'est pas vraiment étanche. Si vous voulez, il y a des moments, tu prends un virage, ça te coûte quand même sur les jambes. Oui, j'ai roulé qu'une seule fois sur la pluie, ça m'a suffi. Et je pense que c'est pour ça que le plancher était endommagé côté passager, parce que c'est surtout de ce côté que ça coulait. Enfin voilà. Bon allez. Et à l'intérieur au fait. Je sais plus s'il y avait quelque chose. Bon, écoutez, non, hein, c'est pareil, j'ai presque rien modifié.
Je sais plus si je vous l'avais montré, la prise allume-cigare que j'avais adaptée, il me semble que oui. Vous avez peut-être vu mes panneaux s'allumer mieux que ça la dernière fois, mais j'ai mis des LED moins puissantes dans mes panneaux là parce que le jour ça allait, mais la nuit ça agressait les yeux. Donc j'ai changé, enfin j'ai reçu de nouvelles LED et j'en ai mis des moins puissantes parce que la nuit ça agressait vraiment ce que j'avais mis au départ. C'était trop puissant. Ah oui, il faut que je mette ce micro-bouton. Il y a juste ça qu'il faut que je fasse pour que le feu de recul s'allume quand même comme la deux chevaux, que le feu de recul s'allume quand même si jamais il y a du brouillard. Faut juste que je trouve des filtres rouges par contre pour mettre par-dessus quand je veux m'en servir d'anti-brouillard. Oui, parce qu'il peut m'arriver que je me balade dans le brouillard. Le brouillard, ça prévient jamais. Enfin voilà. Allez! J'adore ce ciel de toit et qu'est-ce qu'il est propre. Bon bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, un gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Demain ce sera la BX et après on attaquera les deux dernières Renault, la Super 5 et la Renault Turbo. Enfin voilà. Et je vous laisse encore avec une petite balade. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus! Écraser le petit doudou.